T'as trouvé. Ouais, tu crois. Ou ça donne pas le reste. Ouais, donne pas le reste. Oui, ça va. Ah, voilà. Quel souci? Eh bien, j'allais chercher. Donc, tu as vraiment tué. T'as pu expliquer. Dit c'est un expert, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il soupire comme ça. T'as déjà fini. Chaîne reçoit. Du texte. Tu as pas vu les potes là? Allô? M'entendez-tu? Ah, désolé, je vais vous laisser un moment parce que j'ai une réunion d'urgence tout à l'heure. Peut-être que je vais vous reprendre après la D'accord. réunion. On a entendu ce que tu as dit là-bas. Oh, ok, merci. D'accord.
T'es sûr? Ah oui. Il n'y a pas d'ajout à faire. L'autre là, c'est un affichage simple. Hein, tu parles de... Effectivement, dans le pseudo-code, lors de la déclaration de la constante, quand c'est une valeur qui ne va pas changer, dès que tu déclares, tu affectes en même temps. C'est pour ça que lui, dans la constante, ça a été fait dans la déclaration. Mais en programmation, ce n'est pas très comme ça. Donc, comme tu l'as dit là, souvent, ce qu'on essaie de faire, juste après le début, on a pris les trucs. Lui, on peut l'affecter là-bas. C'est-à-dire, on peut faire ici CST, soit pour régler le problème. Bonne question. Et c'est qui t'a pas posé la question? Bien, ça va? Hein? Ça va pas? Modulo, hein? Qu'est-ce qui t'a montré là? Mais ta position, c'est que tu ne peux pas trouver. On n'a pas une position de travail. Là, tu es dans une position de travail. Je vais te montrer. Je t'écoute. On peut soit afficher du texte à l'écran, donc à l'utilisateur, ou bien afficher la valeur d'une variable. Les deux affichages sont possibles. Dans le pseudo-code, les affichages ont été combinés. Ils ont combiné affichage de variable et affichage de texte. Mais sous GoBox, tu dois séparer. Il y aura une ligne pour afficher la variable. Il y aura une ligne pour afficher le texte. Tu suis, etc. C'est jusqu'à ce que tu finisses. Mais dans l'affichage, même dans la console, tu vois, ça sera sur une ligne. Donc, tout ce qui est entre les deux quotes là, ça c'est du texte. Donc, faut voir là où est-ce que la quote commence, où est-ce que ça finit. Donc, par exemple, dans le premier affiché, chaîne 1. Chaîne 1 ici, ça c'est la variable. Entre les quotes, il y a virgule, il y a espace, virgule. Valeur 2 égale espace, et puis on ferme les côtes. Donc, c'est-à-dire à partir de virgule, valeur 2 égale du texte. Vous comprenez maintenant? Maintenant, après les côtes, la valeur 2, ça, c'est variable. Deuxième affichage, afficher valeur 1. Valeur 1 ici, ça, c'est la variable. Maintenant, où ils ont mis dièse là, ça, c'est du texte. Et juste après, ça encore, c'est variable. C'est bon? OK. T'es interrompu, il y a un problème dedans. Il fallait bien que les erreurs arrivent. Donc, ça va être un peu trop facile. Maintenant, tu vois. Oui. Un problème. Lequel?
Le dièse ne sort pas. Est-ce que c'est du texte? L'ordinateur a toujours raison, hein. Parce que j'espère que tu n'as pas mis les cotes dans le texte. Donc, sinon, il n'y a pas de. Chez moi, il n'y a pas de. Okay. À moins que tu aies déclaré chaîne comme un nom. Ok. Faut vérifier. Si ton erreur, c'est à quel niveau? C'est là que toi, y a ton erreur. Oui, il vient de constater. On va essayer avec double slash. Essayer double slash à la place de dièse, on va voir. C'est passé. Quand tu as terminé avec le dièse. Avec le. Je viens de voir ton erreur sur. Tu sais quoi, CSC? Hein? Comment tu as écrit le nom avec? Bon. Et ça passe pas chez toi. Pas quoi? Quand vous parlez de, est-ce que c'est ça que ça dit, vous parlez de, vous avez exécuté l'algorithme en fait, ou bien c'est juste dans le corps même du programme. Puis, le dièse, on a dit, tout à l'heure, on a parlé de ça. On a dit que le dièse ne passe pas et remplacer ça par double slash. Et ça marche. Comment l'autre a fait pour voir son erreur là? Voir ce que ça donne.
Et pourquoi je m'en donne deux différents de 49 vu qu'ils sont deux? Hein? Pourquoi je vous disais quatre? Vous avez dit quatre? Mais pourquoi c'est quatre? Pourquoi valeur 1 est 4? Vous avez su que 92 au niveau de 8 là, ça donne 8. Ça donne 4. Attendez, je passe la dernière. Affichez valeur 1. C'est valeur 1 pour combien? Je suis bien, pourquoi c'est 4 là? Pourquoi c'est 4? C'est 92 divisé par 8. Le reste, là. Maintenant, 92 mètres divisé par 8, ça fait combien? 92 Par 8. par 8. Oui. Parce que... Ça va combien? On 11,50. Oui. Tu vas rester combien? Non. Même si ça peut être 12, ça n'a rien resté. Pour moi, mathématiques, ça donne vraiment 4. Même si c'est que tu as soit c'est que tu as c'est que tu as c'est en fait, on sait que là, le 50 il reste derrière. Ça veut dire en fait que le 8 là, on n'a pas plus ces 4, on a plus dans le 8 à l'intérieur. Donc si. Ma gueule, c'est trop facile ça. Il y a beaucoup qui sont déjà à 24. Comment tu peux obtenir les 4 là? Mais 11 une fois, d'abord. une fois. Mais ici, ça fait 72. Ça y va deux fois. Il va pas deux Une fois, fois. il va pas deux fois, il va une fois. Ça fait 4. À 0,5. 4. Pas à zéro, quoi. Pas 0,5, pas 0,50. Hein? Oui, tu peux pas 0,50 fois 4. Normalement, si on dit on veut le reste, si on veut le reste dans une division, on ne met pas de virgule, on obtient le reste. Le 4 à quelle année, monsieur? Ah oui, Mais quand on ne fait pas c'est de normal. reste, c'est moi qui ai ah, non, écoute, t'as fait 12. Tu dois. Moi, je voyais pas ça. Quand je regarde ici, là, je prends la valeur 98 au niveau 8. Oh, c'est 92. Je dois changer ça. Alors, si on teste. Ça va même pas pu expliquer pourquoi c'est tous les deux. Oh, Ça fait quoi? monsieur, je
C'est bon ici? Mais ça va pas. Pardon. N'est-ce pas? Non. Je ne peux pas dire ça. Il C'est nous, on a fini. Bon, moi, je cherche toujours, je trouve pas. Ah bon? Ah bon, on a fini. Voilà, c'est qu'est-ce que... Je on va passer à la grille suivante. Tu nous suis? Ok, bon, je sais, mais bon, on ne trouve pas le résultat. De toute façon, je vais essayer après. S'il y a des difficultés, on fait ça. Tu trouves combien? Bien, monsieur, moi, Allô? Combien tu as trouvé, toi? Allô? Oui, on t'entend bien. Oui, de mon côté, moi, j'avais lancé, mais je pense que je n'avais même pas suivi la même méthode que vous. Donc, j'ai regardé ce que vous avez fait actuellement sur votre Algobox, que j'ai tenté de reprendre, mais visiblement, je ne trouve pas le même résultat aussi. Okay. Donc, vous avez affecté comme ça Alors, CSP.49.78. oui. OK. Valeur 92, oui. 12 modulo 8. Oui. Valeur 2, valeur 2 fois valeur 1. Chaîne 1 prend la valeur des côtes. Oui. Afficher chaîne 1, afficher valeur 2 égale valeur 2, etc. jusqu'à ici. CST. Oui. Ça donne. Attention. Ce que j'ai pas fait, peut-être que c'est au niveau de double slash, là j'avais mis dièse. J'ai cru comprendre que ceux qui avaient des problèmes avec dièse de mettre double slash. Les dièses ne marchent pas en fait. C'est bizarre, mais moi ça marche chez moi. Ah bon? Oui. Je mets dièse, mais en fait, quand je mets l'affichage, il ne monte pas dièse. Sinon, dans le truc, il met bien dièse. C'est que Dièse, je fais donc il alt et 3. faut remplacer ça par slash slash, deux fois slash. En fait, le dièse marche si vous faites alt côté droit et 3. Si on fait acte quoi? Alt droit. Droit. Sur le clavier, quoi. Alt côté droit et le chiffre 3. Ah oui, ça je sais. On a... Mais quand on ajoute dièse ici, ça ne sort même pas. Oui, effectivement. Effectivement. Ça met le double slash, mais ça met pas le dièse à l'intérieur qu'on avait mis. Voilà, parce que le dièse doit être une instruction interne de Algobox. Donc, on a appliqué quelque chose là-bas. Je ne sais pas ce que ça signifie chez eux. Donc, on a demandé de remplacer le dièse par deux fois slash. J'ai fait ça, mais apparemment l'erreur même se trouve même à ce qu'on appelle sur la ligne 10 où L'indice. j'ai fait deux fois valeur 1. D'accord. C'est là Deux qu'on me dit fois. qu'il y a l'erreur, mais bon, je n'aime pas Mais ça, j'ai pu voir. moi, Moi, j'ai une alors. question. La ligne Oui. 13 là, je sais pas. Oui. La ligne 13 de votre écran. Oui. Est-ce que c'est la même façon, c'est la même manière d'affecter, mais d'afficher les variables là? Ou bien il y a une autre manière d'afficher pour que ça soit en ligne? En fait, c'est dans l'écriture d'algorithme qu'il fait ligne par ligne, mais dans l'affichage, ça reste une seule ligne. Si tu regardes bien la partie résultat, tu vois bien que c'est écrit test, virgule, valeur 2 égale 8. C'est une seule ligne. Mais dans l'écriture de l'algorithme, c'était sur plusieurs lignes, cette partie-là. Elle suit, c'est 12, 13 et puis 14. Ça a permis de produire un résultat test, virgule, valeur 2 égale 8. A permis de produire 4, 2 fois slash 49.78.
78, c'est la ligne 15. La ligne 15 à la ligne. Je suis. Oui, je vous suis. Je vois la ligne. Okay. Ligne. Et à tout la même ligne. Comme la box de la ligne. J'ai pas bien compris la question. Je vous en prie, plus difficilement. La question, mais j'ai pas bien compris. En fait, mon souci, c'est dans l'affichage en ligne des résultats de la ligne 13, là. Je ne sais pas si c'est la même affectation. Si je veux dire, c'est la même procédure pour l'afficher, pour afficher les variables qu'on utilise. Mais il y a une autre procédure qu'on utilise pour afficher ça en ligne. Alors, il y a, on peut afficher du texte et on peut aussi afficher la valeur d'une variable. Pour afficher la valeur d'une variable, l'instruction, c'est le mot-clé affiché et le nom de la variable. Pour afficher du texte simple, c'est le mot-clé affiché avec le texte à afficher. C'est bon? Maintenant, dans l'exercice, ils ont combiné l'affichage du texte avec l'affichage de la valeur d'une variable. J'ai répondu à la question? Ok, je vois. Je vois, Voilà. Donc, pour obtenir dans notre partie ici, résultat, pour obtenir cette ligne-là, on a test ici, c'est la valeur d'une variable. C'est la valeur de la variable chaîne 1. Virgule jusqu'à arriver à égal, ça c'est du texte. Et maintenant, 8 ici, c'est la valeur de la variable valeur 2. Là, c'est bon. D'accord, donc on continue. Alors, on va aborder maintenant un aspect très important de la programmation, c'est de pouvoir donner à un programme ce qu'on appelle un contrôle sur son déroulement. Jusque-là, quand on lui demande d'exécuter, c'est dans l'ordre. C'est fini. À aucun moment, il s'arrête. Mais on peut décider qu'il s'arrête. Et pouvoir contrôler son programme, on va y ajouter des conditions. Ah, d'accord? Quand il y a les conditions, le programme s'arrête et vérifie la condition et il exécute en fonction de la réponse de l'utilisateur ou bien le résultat de la condition. Donc, on aborde maintenant les algorithmes avec ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Alors, si on prend le TP3, un bon exercice de condition, je suis où là?
Je place bien l'exercice. Voilà. Calcul de la moyenne des étudiants. Les étudiants du master du QAP, de la scolarité Atine, suivent le cours Algo, Python, JavaScript et PHP. On veut créer un programme qui permet de calculer la moyenne de chaque étudiant et lui signifier sa mention et s'il passe en année supérieure Atine F2. La moyenne détermine la mention. Alors, strictement, moins de 10, tu es recalé. De 10 inclus à 12 exclus, passable. De 12 inclus à 14 exclus, assez bien. Et de 14 inclus à 16 exclus, bien. Au moins 16, très bien. Voilà les 6. Ils ont fait le B. Vous voulez savoir? Faites et vous regardez. On peut prendre un autre. Dans notre là. Mais dans les conditions, c'est de. Ah oui, je n'ai pas précisé si c'était négatif. Strictement moins de 10. Bon, vas-y alors. Quand tu connais plus, les gens auront des moyennes moins. Moins 3. En pédagogie, il n'y a pas moins de 3. C'est des 16 et 0. Donc, n'oublie pas les variables à créer pour recevoir les différentes notes. Ensuite, les conditions. Il y a des combinaisons de conditions pour afficher la mention à l'utilisateur. Il y a aussi la saisie. Les notes ne sont pas connues d'avance. Donc, il y a la saisie à demander à la personne qui est en train de remplir votre logiciel de logiciel de notes. OK? Il y a eu un peu de souris. C'est la dernière réponse. Des spécialités. C'est à toi de décider. C'est toi qui fais le programme. Il faut faire les notes. Quand tu lis bien l'exercice, c'est de voir qu'est-ce qui devient par exemple. Qu'est-ce qui devient en arrière. Et quand on crée une variable, c'est quelque chose. C'est pas créer une variable comme ça.
Quand il sourit, il a déjà trouvé en dehors.
C'est pas le lit. Oui, il y a un problème. À trouver quelque chose. En fait, tu as partagé ce que tu as vu. Tu vas partager ton écran avant. Il Reste assez bien et plus bien. bien. Ah, très bien. Un dernier très bien. On t'attend. Okay. Tester. Donne pas ce que tu veux. T'as réparé ton erreur là? D'accord. Sindou, j'espère que cette fois-ci tu es avec nous. Hein.
Est-ce que tu souhaiterais présenter ton travail? Il n'est pas là? Ekone, il est parti. Oui, il a dit qu'il devait faire une réunion. Il pense que vous voulez dire si c'est. Allez, si c'est plutôt, pardon. Non, c'est Sendou qui est Oui. parti. C'est un qui est peut-être parti. D'accord. Donc, est-ce que tu souhaites... D'accord, je peux partager mon écran, mais sauf que j'ai encore reçu, mais j'ai partagé quand même ce que j'ai. Je partage mon écran. On partage, on dirait que pour partager, il faut que j'arrête le partage. Oui, il pense que non. Non, attends. Non, pas, oui. Je vais partager, Ok. Je peux maintenant partager mon écran. Avec qui? Oui, pareil. Non, après, c'est un nouveau film. Qu'est-ce qu'il faut? Sais pas si vous voyez mon écran. C'est en train de... C'est pas encore sorti, c'est en train de venir. J'attends que ça vienne totalement. On ne voit rien encore. Ah, d'accord, j'arrête et puis je reprends. Que vous Ok, voyez mon écran, je vous on encore. ne pas encore. On ne voit pas encore. Bon. Je reprends encore. Il a toujours pas. Non, ça paraît noir chez nous. Bon, si ça paraît pas, c'est pas grave. Bon, je peux vous envoyer ça dans la file de communication. Je vais déjà partager un truc. Que ça va bien apparaître. C'est pas par un message, c'est ça? Dans la file de... oui. Essaye voir, je ne sais pas si ça va bien sortir. J'ai déjà partagé un... Peut-être si vous regardez dans la discussion, peut-être j'ai déjà partagé une image là où je n'arrivais pas à reproduire ce qu'on faisait. Viens de voir. Donc, essaye encore, on va voir alors. Essaye de partager ce que tu as fait, on va voir. J'ai envoyé la capture. Si vous La capture arrivée. non, pas encore. Je pense que ça charge toujours. D'accord. Pas encore arrivé. Bon, là, c'est en train de Oui, c'est bon. sortir. C'est bon maintenant. Ça devant tout.
Monsieur, j'ai partagé, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, on a quelque chose ici. C'est ça, non? Je vais essayer de zoomer. Voilà. Mais que toi, tu vois, toi, tu as ton partage, toi, tu as le même écran. Non, c'est maintenant que nous, on voit ton image, j'essaie de zoomer. Et d'autres vont regarder dans son code, là. Déjà, est-ce qu'il est sur la bonne voie? Il a déclaré les variables. Tu vois, algo, c'est nom. Python, c'est nom. JavaScript, nom. PHP, nom. Moyenne, nom. C'est pas bon? Ah bon? Pourquoi il doit aller? Déclaration des variables sur où? Au niveau de la déclaration des variables, est-ce que ça va? Est-ce qu'il demandait d'être pressé que vous êtes dans le corps du programme? Alors, donc, les messages de. Ah, les mentions là. OK. Il y a un de tes amis qui dit que il propose que les mentions soient stockées dans des variables. On n'a pas demandé ça dans le programme. Ben, tu peux ajouter. Bon, Une peut-être que c'est vrai, il a raison, peut-être que non, le fait de mettre tout ça, il pourrait avoir tous en stock en même temps en visuel. Mais pour moi, j'ai préféré, je voulais mettre ça directement dans. Mais peut-être qu'il a raison, certainement. Oh, Comme tu ça. peux. C'est des questions de. Et puis, bien avec la programmation, question d'esprit. Lui, dans lui, son esprit, les mentions très simple. Maintenant, il y a des gens qui peuvent écrire la mention normalement. Moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas stocké la mention quelque part. OK? Sinon, c'est possible. Donc, déjà, au niveau des variables que tu as eu à choisir, ça va. Bon travail. Il n'y a pas de souci. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 variables. OK. Maintenant, au niveau de l'algo lui-même, début, algo. Moyenne prend la valeur algo plus Python plus JavaScript plus PHP divisé par 4. Ça, c'est la formule de calcul de la moyenne que tu as donnée. Mais actuellement, ce que tu calcules, il n'y a rien dedans. D'accord. Même zéro, ça ne vaut pas. Je vois que mon esprit D'accord. En commence. fait, C'est comme si les. moi, puisque je ne savais pas c'est quelle valeur qu'il allait prendre, donc du coup, je me suis mis peut-être dans la peau de voilà les différents, par exemple, les différentes matières qu'on a, et c'est la moyenne de ces matières-là qui vont donner la moyenne, en fait. En attendant d'avoir un élément peut-être à remplacer, ou bien peut-être avoir les vraies valeurs, par exemple, à remplacer pour chaque matière. Alors, lorsque vous faites un programme, c'est pour un utilisateur ou bien des utilisateurs. D'accord. En gros, vous mettez dans la peau de celui qui va l'utiliser. Ce n'est pas vous qui allez utiliser le programme, vous êtes le concepteur. Donc, le concepteur imagine que celui à qui on va donner ce programme quand il va le lancer sur l'ordinateur, pour qu'il puisse avoir les notes, il faut que ce soit lui qui les saisisse. On part du principe que tu as créé le canevas, mais il faut quelqu'un pour remplir. Donc, dans ton programme, ce qui manque, c'est la partie où tu vas demander à l'utilisateur de ton programme de donner les différentes notes afin que tu puisses les stocker dans les variables que tu as déclarées en haut. Donc, il faut demander à l'utilisateur de saisir la note d'algo, Façon, c'est pas une saisir la note configuration de saisir la note de JavaScript. cette composante.
Là, l'opération, si la moyenne divisée par 4 aura son sens. Donc, ce qui manque, c'est la partie, tu récupères les notes avant de commencer à faire le calcul de la moyenne. Et maintenant, une fois que tu as la moyenne, les conditions vont porter maintenant sur la valeur de la moyenne. Que la moyenne soit que 10, comprise entre 10 et 12, comprise entre 13 et 14, comprise entre, etc., jusqu'à ce que tu finisses. Donc, il va falloir ajouter la saisie des notes par utilisateur avant de commencer à faire les calculs et les conditions. Mais c'est déjà bon ce que tu as fait. Tu as trouvé les variables et puis ce qui manquait, c'était la saisie. Donc, dans les fonctions d'AlgoBox, tu as dedans là-bas la partie où on demande, tu sais, afficher un message, mais il y a la partie aussi lire variable. Lire variable, c'est le terme AlgoBox pour saisie, pour la saisie. OK. Voilà, malheureusement, c'est lire qu'ils ont pris. Comme j'ai dit, il y a des documents, vous allez voir lire, il y a des documents, vous allez voir saisir. Donc, il va falloir beaucoup de temps avec le bouton ajouter lire variable. Mais pour que l'utilisateur sache qu'il doit saisir une note d'algo, il faut un message d'avant qui s'affiche avant pour lui dire d'afficher, de saisir la note. Sinon, il ne saura pas ce qu'il doit faire. OK. Donc, il y a d'abord le message d'invitation à la saisie. Il y a la saisie qui stocke en même temps dans la variable. Voilà. Donc, pour les quatre notes, tu as cette opération à faire 4 fois. C'est bon? C'est bien noté, monsieur. D'accord. Donc, ceux qui sont ici, quelqu'un veut montrer pour lui, mais je montre pour moi. Donc, Tony, tu arrêtes le partage chez toi. Il y a un autre qui va partager lui son écran ici. Tu sais le faire, non? Bon, on va l'aider. Le partage ne marchait pas. Je pense que c'est directement ce que vous avez pris de la conversation, en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il va partager mais moi, son écran. Par contre, je ne vois pas le... Je ne vois pas l'écran qui est partagé. Non, non, il n'a pas commencé. C'est maintenant qu'il va le faire. OK. C'est bon, ça va? T'as des statuts tout à l'heure? Erreur. Ah non, c'est un prêt. C'est là par exemple, je dis entrer à gauche, entrer à gauche, c'est à gauche, c'est entrer la droite à gauche. Et quand j'ai cliqué, c'est à gauche, tu vois. Avant d'aller, c'est comment le gars il sait ça? Pensez à tout ça. Entrer dans notre algo, une fois que c'est fait, appuyez. Je teste le bouton. Je vais le faire, vous voyez là.
Donc, son écran est partagé. Connais, tu vois, Oui, je vois l'écran. donc, tu vois un peu ces variables-là. Lui, il a fait quand tu as fait une variable pour le nom de l'étudiant. Ça les loue, hein. Ça développe, ça développe. OK, donc il a fait une variable pour le nom de l'étudiant. Il a fait une variable pour la mention récalée. Mais pourquoi c'est du type nom? Non. Récalé, c'est du texte. Hein. Il a fait une variable pour passable, une variable pour assez bien, une variable pour bien, une variable pour très bien. Et tout ça, il a mis ça en nom. On corrige ça, tout ça. Maintenant, descends. Je vais voir le code du programme. Voilà. Tu as fait la même erreur que beaucoup. Dans un programme, quand tu ouvres, et puis on voit ça clignote, il y a un curseur. Moi, je fais quoi? Si toi-même, tu n'as pas compris. C'est pour ça que tu sais qu'on doit écrire une note d'algo. Si tu veux, lance, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir de quoi je parle. Lance l'algo. Maintenant, on va aller. Yves, ton écran est noir, je ne sais pas si tu... Arrive, malheureusement, Algo Box, un peu gâté mon affaire. Je vous dis pourquoi. Parce que entrée non, c'est pas lui qui est. Logiquement, on devait avoir deux points et deux curseurs là. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, ayez toujours en tête d'inviter l'utilisateur à faire l'action. C'est une interaction entre lui qui va utiliser le programme. Un programme qui a écrit prend les variables du mettre dans l'air. On ne sait pas à quel moment le programme commence. Quand vous-même vous ouvrez le logiciel, vous ne voyez pas le programme, début du programme, le lancement du programme. Lancer. Après, on va ajouter donc si c'est fini, appuyer sur tout ça, on ne voit pas cette conversation. Ok, c'est à votre place. Mais d'accord, dans les programmes plat plat où on vient et puis lui, en fait, tout a déjà donné le texte. Sinon, rien ne devait sortir dans Python, rien n'avait sorti. Parce qu'il va dire qu'il n'y a pas eu de message. Donc, pour avoir déjà l'habitude d'écrire le texte, c'est ce qui manque dans ton programme. Donc, tu corriges. Mais quand même, vas-y, va faire le test, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on donne? Pourquoi tu te donnes 15 dans la boucle? Qui t'a dit que tu vas voter? Vas-y, ouais. Dans ton programme. Alors, donc, entrée Python 18. Algo 15. JavaScript 18 encore, il y a des grosses notes. Et PHP 17. On va voir ça ici. Alors, après, c'est l'affichage. Donc, Algo 15, Python 18, JavaScript 18, PHP 17, moyenne 17. Très bien. Attends, dans l'exercice, dit quoi? On devait dire si passer. Ah, On devait dire si passer, mais c'était régalé quelque chose comme ça. AZ, ami. Le message n'est pas clair. Bon. Mais c'est bon. Déjà, dans l'esprit de la programmation de ton algo, ce qui manque là, c'est l'habillage, le texte qui a saisi, le texte pour afficher, pour encourager les gens. Et j'ai mis une note, soit là-bas, très bien. Pas de détails. Il n'y a rien. Hein? Mais c'est bon, tu peux arranger ça, c'est juste des détails. Kone, tu as vu un peu? Oui, j'ai vu, monsieur. D'accord. Ça marche.
Bon, arrête ton J'ai vu qu'il a partage. réussi à faire. T'as réussi à faire ça. Arrête ton partage. Stop share. C'est bon, j'ai rien. Avec qui? Ouais, Tu as un problème avec eux? je... D'accord. Connais, tu vois mon algo box? Oui, monsieur. Mais monsieur, c'est si c'est pas connu. C'est connu qui a besoin, actuellement. Bon, j'ai fini par m'y faire. D'accord. Oui, je Tu vois mon algo box? Vais essayer de le tester ici. Non, pas encore, je vois pas votre écran. Normalement, je vais même voir ce que tu as. Non, Vous voyez pas? Toi, tu as encore des yeux. Tu peux pas les yeux. Attends, ce que je vais faire, je vais lancer, je vais partager. Là, tu vois? Oui, je vois votre écran. Oui, je vois Ok. votre écran. C'est ça. Là, tu es venu ton appel. D'accord. Attends, je vais finir de saisir. J'ai fait comme BAE. Il y a avoir 18 partout. Et quand vous testez le programme, vous devez tester dans toutes ces facettes. Hein. Par exemple, 0000. Là, tu vois un peu le comportement de ton. Après, peut-être mettez un chiffre à virgule, peut-être. Ouais. Alors, je vais agrandir. Là, on verra mieux tout ce que j'ai eu à faire. Tu vois le fichier PDF que j'ai partagé là? Oui, je vois le PG PDF. Attendez, ça ne sort pas ici. Voilà. Dès que tu te vois maintenant, c'est plus gros. Donc voilà ce que j'ai mis dedans. Quand je parlais d'insister sur
Comme je disais, moi, je n'ai pas déclaré les comme variable. J'ai juste pris les notes et puis la moyenne. Ensuite, j'ai fait un message de bienvenue. Je vais essayer de commencer par saisir les quatre notes. Si vous savez que c'est quatre. Et je dois même peut-être vous dire dans quel ordre. C'est vrai que Algo Boss, parce que c'est la tâche qui dit que c'est le premier, c'est Algo, deuxième, c'est Algo. Ensuite, la saisie, Algo, donc, après, il y a même des commentaires dedans. Calcul de moyenne dans certains commentaires, conditions de passage, j'ai fait résultat. Ça, c'est un scénario, ce n'est que du texte, c'était juste pour habiller le. Après, voici les conditions. OK? Qu'on a testé ici. Voilà un peu comment le programme est apparu. Oui. Déjà, Ouais. Parce que celui qui est avant a déjà pris 16. Inférieur égal à 16. Donc 16 a déjà pris. Parce que j'ai dit inclus. Mais avec l'esprit. C'est inclus l'esprit. Monsieur, est-ce que vous pouvez partir sur la ligne en fait 25 de votre PDF, de la ligne 25. 25. Ici. J'ai vu Oui. ici, là. Non, actuellement je vois la ligne 39 en fait, à partir de la ligne 39, mais je voulais voir à partir de la ligne 25 sur le PDF que vous montrez. Et là, tu vois. Je vois jusqu'à 35. C'est moi qui ai fait un son ou bien c'est un son. Si tu vois 35, c'est que tu ne vois pas aussi Voilà, 25. c'est bon. À partir de là, je vois. OK, d'accord. As vu ce que tu voulais? Oui. En fait, bon, vous direz, je suis en train de faire des captures pour voir comment ça Capture. se. Oui. D'accord. Au lieu de faire les captures, t'as envoyé le PDF. La conversation continue. T'as envoyé le PDF, c'est mieux. Ça fiche son identité. Moi, j'ai pas mis ça parce que je l'ai laissé. Sinon, si on veut aller vraiment, tu vois, faire ça, aller là, et tout ça même, moi je dirais même par contre d'aller saisir les noms et les notes. Parce que on passe en des. Pas absent. À deux en ligne. Donc c'est pas non plus. Mais ce serait pas mal aussi d'aller jusque-là. Donc, le principe, c'est d'apprendre juste la situation. Question sur ça? On fait la pause. Hein? Et puis on reprend. Il y a combien? 13h moins 10. Bien, 13h50. Voilà. Vous allez venir à R, tu du retard encore. Et au moment, pédagogiquement parlant, ça passe. Ah. Avec un peu de merci, ça va être
si on a attaqué la vie. Ou après. Ah, mais si on peut avoir le PDF après. Oui, bien sûr. Le PDF n'est que le résultat de l'exécution de mon code. Il n'y a rien d'autre. Oui, non, avant de TP. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vois de quoi vous parlez. Il n'y a pas de problème. Donc, si c'est, je t'envoie le. Je D'accord, merci t'envoie beaucoup, monsieur. le. Voilà, il n'y a pas de souci. Je fais toujours une conférence. Mais vous avez des questions sur les conditions? Non, pour le moment, je pense que ce serait de mieux appliquer ce qu'on voit déjà. C'est assez intuitif. En tout cas, je pense que si j'arrive à mieux appliquer, ça pourrait aller. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas vraiment de questions. D'accord. Alors, dans location de voiture, pas autre chose. Ça prouve aussi que au niveau des structures, une condition peut être impliquée parce que alors donc, lorsque vous avez condition dans condition, on appelle ça des impliqué. Il y a aussi, soit je fais deux groupes de six, donc six points de lettres, six, 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 six. J'aurais pu faire avec des six. Il y a le si et il y a le sinon. Sinon, il y a le contraire du grand si. Donc, j'aurais pu exprimer sinon, 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 au dernier. Mais très souvent, avec le sinon, ça va être la dernière. Parce que j'arrive par exemple sur très bien. Allez, si tous les autres ne sont pas je mesure en fait. C'est ça. Moi, j'essaie avec le sinon. Et que sinon, après le sinon, je mets encore la variable de la condition. Et à la première condition, Justement, avec lui, il n'y a pas de condition. avec le sinon, il n'y a pas de Le condition. sinon est le contraire de la condition que j'ai posée ainsi. C'est pour ça qu'avant d'utiliser un sinon, c'est bon dans le cas de figure où j'ai voilà, deux options. Pas de mettre trop sinon à ça. Soit c'est oui, soit c'est là que je pose plus de conditions. Je donne un exemple. Si il a 10, donne-lui 10 000. Sinon, tu ne donnes rien. Donc, on a deux cas de figure. Soit il a 10, soit on ne donne rien. Le sinon, là, tu as raison d'être. Mais dans notre cas de figure ici, il y avait, ça, c'est plutôt avec des signes impliqués que tu peux travailler. Ah. C'est bon? Tu sais, location de voiture. Et... Monsieur, moi j'ai essayé avec sinon si. Sinon si, sinon si. Ah, j'ai pas réussi, non, si, en dehors. Mais c'est bon. C'est bon pour ça que j'ai réussi. Non, Non, ça va sortir. C'est ça, raisonnement. non, mais ça moi, le raisonnement, le moins. En fait, je sais pas tellement. Le raisonnement, comment ton raisonnement? Il faut pas chercher qu'à moins 10. Encore. Rien qu'à moins 10. 15 à 10, 0, 0. Pardon.
Donc, tu l'as parce que comme je disais, le sinon est le contraire d'une condition. Donc, là, c'est la condition la plus grande. Que tu puisses faire le sinon, sinon. Tu trouves qu'on va faire le sinon, sinon. C'est pas grave. Faites location de voiture. Elle a une location de voiture pour pouvoir ses clients de tarif qui sont 15 000 francs par jour. Tarif qui est 16 000 francs par jour de location et 600 francs par kilomètre. Je l'ai dit, la fonction première, j'espère que tu vas trouver ça derrière toi. Toi, c'est qui? Qu'est-ce que tu faisais les deux en même temps? Donc là, c'est un vrai algo. Ah oui. Le 5 là. Ah, pour moi, c'est bien. Ouais, par exemple, ce programme là. Je l'ai tiré d'un programme qui est dans la micro-ondes. Ça aussi, par ce programme. Que ça pourrait, parce qu'on se fait à des puces. Partir. Il y a pour 500 grammes, il y a pour 400 grammes. Je dois diminuer un peu le zoom. Ah oui. Ah, quoi, c'est la cause. C'est pas la cause pour ceux qui sont en ligne et puis ceux qui. Vois. Non, en tout cas, on n'a pas eu de pause, je suis obligé de dire. Non, tu feras la pause après, c'est pas le moment. Je cherche où je cherche. Je montre l'algo en question, les 6, et puis vous allez commencer à réfléchir là-dessus. Bon, bien, non? Là, tu es en train de se faire le partage du groupe. La famille. Qui a fini?
Pour ceux peut-être qui auront la chance de travailler sur la programmation des capteurs. Comme ça. Alors, je vous laisse.
Déjà, je vais tellement suis né. Ce qui mange. Si j'enlève le blanc de ma barbe, hein, tout me devient noir. Je m'arrête à côté de toi. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oh, là, t'es enfant. Mais là, déjà, quand on t'est bien enfant, là déjà, quand je dirais actuellement, je ressens à quelqu'un. Ouais, les gens, ils sont là, ils sont 70 ans, ils sont prêts, c'est ça, c'est les jeunes. Donc, au-delà du spirituel, de l'appel des guides, de l'appel, tout ça, les jeunes, la santé, manger, pardon, tu voilà, ça, c'est pas les jeunes. Ça, n'a rien à manger, c'est pas pareil. Le jeune, c'est lui qui a mangé, mais qui dit. Attends, l'autre. Il y a un pour manger, ça, c'est les en tout chose l'excès. Avec quand tu dis qu'il y en a un, vous savez, quand vous invitez quelque part, comme ils ont mis 10 petits poulets sur la table, c'est qui ne peut pas manger, c'est pas des excès. ah, mais j'ai encore tourné là. Allez, dis, qu'il y en a un, faut. Mais ça pose un là. Tu vois, attends. Faut consulter la vie. Pas payer pour toi. Depuis que Est-ce qu'on ne mange plus?